Je vais me présenter mon expérience avec Royal Canin sur les réseaux sociaux en partant avec quelques informations historiques qui m'ont rappelé à beaucoup de monde, beaucoup de jolis souvenirs, j'espère. Pas longtemps est passé depuis le début des réseaux sociaux, mais on paraît que c'est une génération entière. On avait un besoin très clair d'une forte accélération et surtout d'une visibilité de ce qui se passe sur le monde digital, sur les réseaux sociaux, clients, notre marque, les produits, leur expérience. Sprinklr, c'est la plateforme qui m'a permis de comprendre tout de suite ce qui se passait, donner visibilité en interne et en gros, ouvrir des portes. Quand j'ai rejoint Royal Canin, on devait en fait reconstruire le service client avec une gouvernance à niveau global presque de zéro, pour mieux aider les pays et mieux aider les régions. On aurait pu commencer comme tout le monde par les canaux traditionnels, les canaux historiques, la voice, la chat, les webforms. Mais moi, j'ai pris la décision avec ma hiérarchie et mes collègues de commencer par le digital et les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que ça donne tout de suite une visibilité. Visibilité de ce qui se passe égale impact. Grâce à ça, on a pu ouvrir les portes et démarrer notre travail de restructuration et upskilling de tout ce qui est service client jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas encore fini, mais on est absolument en bonne voie. Sprinklr m'a permis d'ouvrir ces portes. Absolument. On a commencé avec un seul use case dans deux pays. Aujourd'hui, on a lancé Sprinklr en plus de 45 pays. On a une collaboration qui est une véritable partenariat. Les résultats tangibles, c'est que sur les réseaux sociaux, finalement, on répond et on engage dans les conversations. Vous savez, on opère dans un environnement qui est 100% émotionnel. Il n'y a rien de plus émotionnel que les chats et les chiens, qui font désormais partie des familles de plus en plus dans le monde. Et grâce à Sprinklr, on peut écouter ces conversations, travailler nous-mêmes dans l'émotion avec les clients, mais sur une base de science et nutrition.